Bientôt le soir, sur la Sologne, M. Dugarin, fermier de son état, se surprend à bâiller. La journée a été longue, le travail dur. Pour les animaux de la ferme, c'est l'heure des derniers bains, de l'ultime toilette, sinon des promenades en quête d'un petit supplément de dîner. Mais le crépuscule n'est pas toujours ce que l'on croit. Le signal du repos, pas pour tout le monde, pas pour tous les animaux. Alors que certains ne songent qu'à dormir, le hérisson s'anime. Il a passé sa journée dans son nid à ne soigneusement rien faire. Résultat, il a une faim de loup. En cette fin de journée, aux abords de l'étang, les animaux renouent avec l'instinct qui les alerte. C'est l'instant de toutes les rencontres. Le renard est un des rares prédateurs du hérisson. Mais s'il n'est déjà pas facile à capturer sur terre, alors pensez dans l'eau. À l'extrémité de l'étang, près de la lisière, d'autres animaux viennent boire le soir, comme dans la jungle ou la savane. Les sangliers en profitent pour s'offrir un bain. Comme leurs cousins cochons domestiques, ils sont amateurs de boue et d'eau. Les ragondins, eux, soignent leur douce et solide fourrure. Ces faux castors importés il y a longtemps d'Amérique du Sud servent dans quelques régions de chair à pâté. Un collègue de M. Dugarin lui en a fait goûter. C'est assez bon, un peu gras. Le canard et l'oie, c'est bien meilleur. Les ombres s'allongent. Le soleil s'approche de la ligne d'horizon. Le plan d'eau, lui, comme un miroir magique. Les volailles jouent au théâtre d'ombre en attendant avec impatience d'être nourri. Cette fois, le soleil se couche. Il a rendez-vous avec la lune. Les pintades s'apprêtent comme chaque soir à se percher pour dormir. Elles gardent de leurs instincts sauvages l'usage des branches élevées qui les isoleront du danger. La fatigue et la fraîcheur crépusculaire disposent au sommeil dans la tiédeur des cabanes. La campagne, soudain, se fait plus paisible. L'air se fait plus transparent. Les sons de la nature commencent à résonner comme jamais pendant le jour.
Quand le soleil disparaît, tout change. Et les messagers de la nuit sont les étourneaux. Le soir, à l'époque de leur migration, ces oiseaux regroupés en grières, rassemblements qui paraissent obéir à de mystérieuses lois, perchent par millions pour attendre le matin. Monsieur Dugarin a lu quelque part qu'il serait en ce moment 80 millions dans le pays. Comment ne pas y croire ? Leurs nuages serrés obscurcissent le ciel comme un rideau de velours noir tiré sur le jour. Dans cette lumière incertaine qui faiblit peu à peu pour faire place à la nuit, la crapaudière de la ferme s'éveille. Grenouilles et crapauds entonnent le chant du crépuscule. Un monde invisible à nos yeux sort de l'ombre. Le peuple des ténèbres prend le relais, réinvestit les lieux. Quand la lune et le soleil ont brièvement rendez-vous, le chat rouquin quitte son panier. Il ne sait pas que les hommes appellent ce moment entre chien et loup, alors que c'est lui, le félin, qui part à l'aventure. L'ombre qui gagne ne le gêne pas. Il a les yeux de son cousin le lynx. Ce soir, M. Dugarin n'ira pas se coucher très tôt. Une visite à un voisin l'emmène à travers bois. Malgré l'urgence, il roule prudemment. Il sait que l'obscurité peut être fatale à ceux qui voient mal la nuit. Les prédateurs, dont les yeux savent capter la plus faible lumière et les oreilles le moindre souffle, guettent des proies réduites à l'impuissance par l'obscurité. Pleine nuit, la lumière des phares révèle la route, mais aussi les sous-bois épais, les troncs des grands chênes, les fourrés, d'où peuvent surgir les promeneurs de la nuit. Comme si le passage du sanglier lui avait donné un signal, un merle entame un nocturne, accompagné des mélodies d'un invisible rossignol. Dans la forêt, la nuit n'est pas synonyme de sommeil. Le sous-bois s'anime des silhouettes de ces animaux sauvages que nos ancêtres paysans du Moyen-Âge connaissaient déjà. Ils en appréciaient les arbres et les fruits, mais ils en craignaient les métamorphoses nocturnes. Ce monde inquiétant a ses guetteurs. Chouettes et hiboux surveillent le moindre mouvement, tournent la tête au moindre bruit. À la nuit tombée, le blaireau sort prudemment de son terrier. Pas question de se mettre en danger, ni soi-même, ni son clan. La douceur qui s'annonce, la sortie de la léthargie qui le fait souvent passer pour un paresseux. Le blaireau a faim. Cela fait désormais 3 mois qu'il vit sur ses réserves de graisse. Celui que les anciens comparaient à un petit ours
se glisse dans le sous-bois en quête de dîner. Mais dans l'obscurité, les guetteurs sont en alerte. Quelque chose rôde. Le blaireau serait-il à son tour chassé? S'apprête-t-elle à fondre sur sa proie? Ce n'est pas le blaireau qui risquait sa vie. Un creux dans le tronc d'un chêne suffit à la chouette Hulotte pour y installer son nid. Elle n'est pas bien exigeante. Elle doit son nom familier de chat huant aux Gaulois, impressionnés par son ululement strident. Chouette ou chat, l'oiseau est fidèle à son nid pendant des années. Une couleuvre à collier sert d'entrée à son repas. Le menu peut comporter toutes sortes de viandes, grenouilles, serpents, petits oiseaux, gros insectes et petits rongeurs. La hulotte a repris sa garde. Elle a certes de gros yeux, mais ils bougent à peine et son champ de vision est réduit. Elle est cependant capable de chasser presque à l'aveugle, car elle compte principalement sur la finesse de son ouïe. Ses oreilles sont disposées de telle sorte qu'elle capte l'origine du son quand il lui parvient, comme un système de micro qui organiserait une étrange stéréo. Vol silencieux, capture et cajolerie. Les chouettes parents déploient une activité incessante pour ravitailler une nichée à l'appétit quasi infini. La distribution des proies n'est pas toujours équitable. C'est le plus grand et le plus fort qui est le mieux servi. Cette fois, le petit a enfin droit à sa souris. Comme les hiboux, les chouettes avalent leurs proies toutes entières, si la taille le permet. Sinon, ils les dépècent. Ce petit-là fait totale confiance aux qualités de son estomac, capable de dissoudre tout un rongeur. Les restes indigestes seront expulsés en pelote. Il lui aura fallu presque 10 minutes pour en finir avec son rongeur. Monsieur Dugarin est sur le chemin du retour. Les lumières de la ferme percent le ciel bleu de Prusse, mais elles n'ont pas dissuadé le visiteur du soir. Les sangliers ont été si intensément chassés par les hommes qu'ils en sont devenus insomniaques, enfin nocturnes.
L'aubaine est là, à portée de groin. Cela convient parfaitement à son régime végétarien. Ces grandes canines devenues défense sont rangées au rang des accessoires. Pour croquer les noyaux, elles ne servent à rien. À 7 heures avancée de la nuit, la chouette effraie s'inquiète. Le vent qui se lève et l'orage qui s'annonce pourraient bien compromettre ses chasses. Les éclairs éblouissants ont remplacé le halo de la pleine lune masqué par les nuages noirs. Depuis son perchoir préféré, la dame blanche, familière des lieux, n'en croit pas ses gros yeux. Serait-ce là-bas un crapaud en avant-garde? La discrète armée des batraciens est en marche pour son rendez-vous annuel. Une lampe est restée allumée dans la salle à manger des Dugarins. Pas bien méchante, pas bien effrayante, elle ne suffit pas à décourager le peuple des bois. Le vent se déchaîne, la pluie tambourine sur les toits et balaye la terrasse. Les petits de la chouette effraie qui se languissent dans le grenier sentent-ils que quelque chose se passe ? En tout cas, le ravitaillement en souris traîne un peu trop à leur goût. Sous la pluie battante, les crapauds s'élancent pour la parade. La saison des amours est venue. Petit peuple des amphibiens à nous, au corps lourd et trapu, à la peau d'apparence pustuleuse, crapahute le long des sentiers boueux de la forêt. Le voyage mène certains d'entre eux à la mare qui les a vus naître, parfois bien lointaine, étrange fidélité au lieu des origines, à l'eau natale en somme. Le temps des amours met ces animaux-là dans tous leurs états. La frénésie de la reproduction se traduit par une terrible compulsion à s'agripper à tout ce qui bouge, et en premier lieu aux congénères. La route est longue et il n'est pas rare que les femelles doivent porter les mâles jusqu'au lieu de ponte. Les mâles, plus petits et plus sveltes, arrivent les premiers sur la frayère. Une petite mare, pas trop profonde, tranquille, à l'exception des premiers locataires, des grenouilles. L'impatience des mâles dépasse de loin celle des femelles.
Dans la crapaudière, les ébats sont si nerveux qu'ils font vibrer l'eau. Il n'en faut pas plus pour déclencher le réflexe amoureux chez les célibataires, toujours en quête d'une promise. Au rythme de claquements de bouche répétés, une même femelle peut se retrouver au centre d'une terrible mêlée qui ne se dispersera qu'au moment de la ponte. Ce curieux amalgame orgiaque évolue sans cesse. Tout cela serait juste pittoresque si ce n'était que les femelles succombent parfois à ces assauts sans ménagement. Les pontes ne sont pas des amas d'œufs comme chez la grenouille. La femelle crapaud qui survit à l'épreuve expulse les œufs fécondés. Les parents dispersent dans la végétation de longs colliers d'œufs que les reflets et les herbes dissimulent aux malfaisants. Les milliers d'œufs brillent en chapelets translucides et gélatineux, longs parfois de 2 mètres et flottent suspendus aux plantes aquatiques. Dans 2 mois, les jeunes crapauds quitteront la mare. Le temps sera venu pour eux de coloniser quelques jardins, celui du fermier du Garin ou celui de son voisin. La veilleuse de nuit surprend le hérisson en vadrouille. Il a péniblement atteint la maison. C'est qu'il a de petites pattes maigrichonnes. L'animal est très nocturne. Il se sent assez bien en ce coin de jardin pour baisser la garde de ses redoutables piquants et les porter élégamment lissés en arrière. Il adore la pluie, pas pour se sentir mouillé, mais parce que la pluie fait sortir de terre ses proies préférées, larves, vers de terre et escargots. Après la saison des amours, les crapauds fidèles rejoignent leur résidence d'été. Ils peuvent vivre une 30aine d'années sur le même territoire. Mais cela ne les empêche pas de visiter des appartements témoins ou des bottes de nuit pour se protéger des prédateurs. Ses proies étaient faciles, dommage. La chouette de la maison, qui a élu là domicile depuis plus de 15 ans, se pose en sentinelle. Les hommes sont bien inconscients. La nuit, ils dorment sans prêter attention aux manœuvres des intrus les plus insolents. Le roi des insolents, c'est bien le renard, concurrent direct de la chouette dans la chasse aux rongeurs. Le goupil paraît pourtant d'humeur curieuse, comme s'il cherchait à changer un peu de menu. Il marque ce nouveau territoire avec un formidable aplomb.
La chouette effraie en profite pour reprendre ses allers-retours infatigables entre grenier et terrain de chasse. C'est que ses petits attendent. La souris est pour eux. Les petits ont 4 semaines. Sous le masque caractéristique de la famille effraie, ils soufflent comme des chats en colère pour renvoyer leurs parents à la chasse sans leur accorder de répit. Et cela dure 2 mois. Copie conforme de leurs parents, bientôt aussi gros, constamment affamés et peu portés à l'affection quand il s'agit de se réserver le prochain rongeur. L'aîné attend manger qu'il se paye le luxe de jouer avec la queue de la victime. De toute façon, pas question de partager. Pendant ce temps, quelques possibles victimes de la chouette sont passées à l'attaque dans la remise. L'aîné des petits, dans son impatience, se livre à cette danse qui faisait croire aux anciens que la chouette effraie ensorcelait ses proies pour mieux s'en saisir. La télé du fermier assoupi marche décidément trop fort. Pour l'instant, le renard est bredouille. Ce lieu lui paraît bien ingrat. Pas de fruits rouges, pas de raisins, pas de batraciens, pas le moindre rongeur à l'horizon. Mais la nuit porte conseil, et Goupil, tenace et malin, continue son exploration. La concurrence prend d'importantes proportions. Le renard vient de découvrir la réserve de souris de la chouette. Et il est très bon chasseur. Pour la famille de la chouette effraie, 4 souris de moins. C'est 4 chasses de plus. Les parents redoublent de vigilance. Thank you.
plat de viande dûment assuré, le renard s'est tourné vers la question du dessert. Comme beaucoup d'animaux de la forêt, il a appris que certains récipients des hommes contiennent des substances étonnantes. Le fermier est tiré en sursaut du premier sommeil, celui qui le saisit toujours quand il regarde la télé. Le bruit suspect paraît venir de la remise, ou peut-être quelqu'un est-il entré dans le potager. Le hérisson, lui aussi, a appris à connaître les délices de la conserve et du vieux ravioli. Un étrange bruit de troupeau attire le fermier vers la lisière des prés. C'est là que lui apparaît une vision de rêve. Les biches repartent dans la nuit, laissant le fermier songeur. La nuit des forêts est-elle peuplée de rêves? Les fourrés gardent le souvenir du passage des cerfs l'été précédent. Le clan des cerfs s'est dispersé en prévision du brame, c'est-à-dire du rut. Les bois des fiers animaux sont dépouillés de leur velours. Les fans de l'année n'ont que quelques mois. Dans la forêt, les animaux suivent des sentiers connus d'eux seuls et des braconniers, et qui organisent leur territoire et leur parcours. Chaque espèce pratique le sien, sans pour autant se priver d'emprunter parfois ceux des autres. À deux pas de là, le blaireau a creusé son terrier. L'animal est un excellent terrassier. De ses fortes pattes, il a aménagé galeries, sorties et vastes salles à plusieurs mètres sous terre. Le fondateur est relayé par les générations qui le suivent, comme une famille a grandi le château de ses ancêtres. Le blaireau est soigneux.
il tient à la propreté de son habitat. S'il sort la nuit, ce n'est pas uniquement pour chasser, mais aussi pour faire ses besoins, déposés dans des lieux d'aisance qu'il a lui-même prévus au dehors. Le soir est aussi le moment de la toilette. Le blaireau ne se présenterait pas mal tenu à la chasse. Alors le clan se livre à une séance dépouillage, grattage et peignage pour se débarrasser des puces et des poux, complétés de roulades et tortillements, flancs, têtes, dos et pattes dessus comme dessous, tout y passe. Les petits blaireaux ne chassent pas. Ils jouent en attendant l'heure du dîner à l'entrée du terrier protecteur. Monsieur Dugarin, le fermier, dit souvent à son voisin que le blaireau est un animal utile. Et pas seulement pour son poil long et solide dont on faisait des brosses, mais surtout parce qu'il débarrasse le cultivateur de nombreux malfaisants qui s'en prennent aux cultures. La puissance du clair de lune oblige les campagnols à se camoufler par tous les moyens. Pour beaucoup de petits rongeurs, l'aube n'est qu'une utopie. Chez les chouettes et chez les hiboux, il y a toujours un petit dernier. Les chouettes couvent les œufs au fur et à mesure de la ponte. Ils éclosent progressivement. L'impatient petit dernier rattrapera ses frères pour son premier envol quand il aura 50 jours. Grande faim dans un petit corps. Grande hâte dans de beaux yeux encore bleus. La nuit va finir. Sur le toit de la ferme endormie, un faucon dérangé dans son repos. Il n'est pas nocturne, lui. Une chouette d'une nouvelle famille, la chevêche, cousine de la hulotte et de l'effraie, prend un tour de garde sur son piton de pâture préféré. La chevêche ne chasse pas sur le territoire de l'effraie. Elle fréquente plutôt le verger et le jardin. Son regard fixe sous ses gros sourcils lui donne une expression sage et sévère. L'oiseau de la déesse Athéna ne se commet pas longtemps avec le hérisson goulu et bruyant. La chouette fait, sans le savoir, le salut d'une famille d'étranges créatures arboricoles. Des lairaux se sont installés dans un noyer. Yeux maquillés de noir, longue queue velue terminée d'un toupet noir et blanc, le lairaud passe parfois pour un loir. Ils arrêtent leur course agile,
intrigué par la présence du hérisson au pied de l'arbre. Bien à l'abri dans leur noyer, ils se régalent de fruits, en attendant peut-être le petit plat de viande qu'ils mettent volontiers à leur menu. Mais cette nuit, c'est au verger de Monsieur Dugarin que toute la famille s'en prendra. Pour ne pas recevoir une noix sur la tête, le hérisson quitte le terrain de jeu des Léraud. La nuit blanche du hérisson se poursuit dans le jardin. Il retourne à son nid par le chemin des écoliers, en zigzag le nez au sol. Son ouïe est si fine qu'il entendrait un ver de terre se glisser entre deux mottes. Le hérisson parvient enfin à son nid, une douillette cachette tapissée d'herbes et de feuilles qu'il s'est aménagée dans le bûcher pour une longue, très longue journée de sommeil. La nuit a été bien remplie pour ceux qui sont venus explorer le monde des hommes. La lune va se coucher, une clarté mystérieuse luit à l'horizon, à l'est. Les bruits de la nuit s'estompent. Les cerfs, métamorphosés par le rut, surgissent du bois. Ils se nourrissent à peine et deviennent agressifs. Dans de vastes clairières sur les places de Brame, malgré une brume tenace, les cerfs s'affrontent sous le regard indifférent des biches. Les anciens admiraient ces élans redoutables, la violence des amours. Ils y virent souvent l'image de la passion amoureuse, du désir brûlant. Ils firent du cerf l'image même de l'amant. Le brame est un signal puissant qui définit chaque animal et renseigne ses rivaux. Le cerf dominant s'annonce de loin au dominé, qui s'efface prudemment sans même chercher à le voir. Quand deux mâles occupent une place équivalente dans la hiérarchie, ils se rencontrent, se jaugent, et la rivalité finit parfois en combat. Oh.
Quand la campagne s'éveille, la lumière efface les peurs et l'inconnu. Le brouillard de l'aube se lève enfin. La campagne reprend son aspect familier. Des visiteurs de la nuit, il ne reste que quelques traces, des objets renversés, des grains répandus, presque rien. Le soleil réveille M. Dugarin, qui s'est couché bien tard. De sa fenêtre, il peut voir la faible clôture qui sépare la prairie des bois. Cette lisière fragile est au fond, pense-t-il, celle qui sépare le sauvage du domestique. Il sait bien que des animaux de son entourage ne sont pas si loin de leurs ancêtres sauvages, ou même de leurs voisins des forêts. En voyant revenir Rouquin le chat de sa nuit de chasse, M. Dugarin se sent rassuré. Il se souvient que le chat d'un voisin disparu un beau soir fut revu chassant comme un tigre miniature dans les bois et refusa de répondre aux appels de son maître. Il était devenu un haré, nom donné au chat redevenu sauvage. Dans la lumière douce du petit matin, deux biches osent s'aventurer à la lisière. La nuit s'est retirée, mais le renard fait des heures supplémentaires. L'animal est un opportuniste. Monsieur Dugarin le laisse faire. La quantité de campagnol que le renard ingurgite chaque jour en fait un protecteur naturel des pâtures. Qui dit moins de campagnol dit plus d'herbe. Une meilleure repousse et donc des vaches mieux nourries. Merci les renards. L'écolo involontaire a autre chose en tête. Le rongeur, il faut bien l'attraper. À la frontière entre ferme et forêt, chevreuils, biches et renards se côtoient et s'observent dans le respect prudent des territoires. Un rien pourtant suffit à déclencher l'alerte et à les faire disparaître dans les bois. Les animaux de la nuit abandonnent la partie. Il est temps pour eux de chercher un buisson, un bosquet, un trou d'arbre ou un terrier pour s'y abriter. Ils vont profiter du jour et faire le plein d'énergie. Les animaux domestiques reprennent enfin possession de leur espace clôturé. La volaille salue le jour avec enthousiasme et détermination. Ils sont redevenus les maîtres de la ferme et des prairies. Jusqu'à ce soir.